Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gameplay sur PS4, son Mega Drive Collection encore. On va continuer la série des vidéos sur ce jeu parce que j'ai découvert deux jeux que je voudrais vous faire en vidéo. Récemment, j'ai testé deux jeux sympathiques. Donc, il y a Alien Tissaudière, il est excellent. Faudra que je vous fasse un test sur la prochaine vidéo, mais aujourd'hui je vais vous tester Alien Stone. Donc Alien Stone, c'est un jeu que j'ai testé, vraiment sympa. C'est un jeu de beat'em up et en t'as un côté beat'em up et en même temps t'as un côté où tu rentres dans des espèces de magasins, ou je sais pas, que tu rentres dans un endroit et vous tirez sur des ennemis, vous récupérez des trucs, et le jeu il est assez dur quand même. Donc j'étais jusqu'à mission 5. J'ai dépassé la mission 5, j'étais le maximum de l'endroit. Je vais voir dans les options, difficulté, easy, voilà, hard, easy, énergie, easy, est-ce qu'on peut mettre rapid feed, non, wof, bon là malheureusement on peut pas changer de crédit, alors là ça va être galère les amis. Il y a un mode arcade. Et on peut pas aller au mode duel, par contre c'est dommage. On peut jouer à deux. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donc on va faire. Il n'y a pas de musique, c'est un peu dommage. Bon. Alors le menu principal, il n'y a pas de musique. Donc on incarne une femme. Style. Voilà. On incarne une femme. Et elle a un genre de. Une sorte de lance-flamme. Et t'as des ennemis qui transforment en monstre. Et vous tirez sur les ennemis. Regardez-moi ça. J'ai découvert ce jeu-là, c'est pas si mal. Donc perd de l'énergie. Niveau 1, il est assez facile au début. Dégommer les ennemis, tu vois. Voilà. Oh, il m'a bouffé. Hein. Bon, après, les ennemis sont un peu plus résistants. Assez chaud quand même. Et bien sûr, vous rentrez à l'intérieur et vous tirez sur des. Vous tirez partout. Il y a des ennemis à buter. Il ne faut pas vous faire avoir. Ok. On récupère de la vie. On récupère de l'énergie. C'est très sympa, c'est. On a la mission 2. Voilà. Déjà, j'ai un peu mieux géré. Niveau 1, c'est assez facile, donc ça va. Ça passe. On arrive à s'en servir facilement. Je suis en mode facile, donc. Un peu de rétro gaming, ça fait plaisir. De la Mega Drive, hein, comme d'hab. Hein. Surtout que la compilation, c'est fait pour ça. J'aime beaucoup la compilation. Donc, je vous fais une série de vidéos forcément sur ces jeux que je teste et que je vous les montre. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, quand on fera le Mega Drive Collection, bah, je vous montrerai l'autre jeu. Qui est très sympa, je vous montrerai même, qui est très connu même, que j'ai vu des gameplays, franchement, il est excellent.
Ça, vous verrez ça une prochaine fois. Quand je ferai une série de vidéos Mega Drive Collection. Voilà. Mais ça, on verra ça dans la semaine. Plus tard. Je ferai ça. Donc cela, ce sera une vidéo pour dimanche. Parce que je vous prépare déjà une autre vidéo sur Harry Potter. On continuera la série Harry Potter. Donc j'ai d'autres préparations de vidéos. Ok, donc là on a un boss là. Vous voyez. On va essayer de l'esquiver, mais il casse pied un peu. Ah ouais mais. Il était touché là. Bon, tu vas mourir. Oh là là. C'est pas facile, hein. Tu ne meurs pas, hein. Oh là, je me suis fait avoir. Et le problème, c'est que vous avez. Ce que je reproche dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de vie, il n'y a que des crédits, en fait. Donc c'est. Parce que le défaut du jeu, c'est ça en fait. Ça manque de vie dans le jeu, il n'y a pas de vie quoi. Tu perds ton crédit. Voilà. Donc en fait, ta vie, c'est. J'ai pas vérifié dans les options, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai peut-être mal vu dans les options. Mais j'ai pas vu de vie en fait. Vous voyez, il n'y a pas de vie sur le, en bas de l'écran. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez le jeu. Voilà. Là, il y a un côté shoot. Enfin, shoot and up quoi. Vous tirez sur les ennemis, ça j'aime beaucoup. Donc en fait dans l'autre jeu vous verrez ça fera penser à ça, donc ce sera des vidéos spéciales sur ce style de jeu. Donc ouais, franchement ce que je reproche du jeu c'est ça, c'est manque de vie, ça c'est un manque de vie. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais sinon il est très sympa. C'est ça. Ça manque de vie, c'est pas. C'est trop court, peut-être parce que le jeu il est court, je sais pas. Peut-être parce que. Voilà, on est au mission 3. On crame tout le monde là. Là on est des espèces d'aliens là. Vous voyez. Voilà, au début ça va, on arrive à les buter. Encore, ça va encore à ce stade du jeu. Et les poubelles qui se transforment en monstres. Faire gaffe. Et... C'est-à-dire qu'on va accéder dans une zone du jeu. Voilà. Mais il est pas si mal. Et après, ce que je reproche, c'est ça. C'est la vie. Il n'y a pas assez de vie. C'est un manque d'armes aussi, je trouve. C'est un petit peu dommage. On se calance là. Donc, c'est un peu répétitif, je trouve. C'est pas varié, je trouve. C'est un peu dommage. Ce que je peux reprocher aussi. Un petit peu. C'est pas très varié. Niveau musique, ça va, c'est. Ça va, on va dire que ça va. Quand même, ça change. Et puis, on rentre à l'intérieur du truc, de la zone, et vous tirez sur les ennemis. Et vous butez tout le monde. Pas de vie là. Hop. Il n'y a pas de vie là, j'ai l'impression.
Voilà, puis tout à l'heure, j'ai pas perdu de crédit, donc ça fait plaisir. J'ai tenu le coup quand même, hein. Franchement, j'ai mieux joué que tout à l'heure. Hein. C'est marrant, hein. Dès que je suis devant vous, je suis plus motivé. Hein. En même temps, j'ai découvert le jeu, alors, en même temps. Résister un petit peu et c'est il est pas si compliqué que ça mais l'escargot là c'est un escargot mais... alors qu'en fait c'est des aliens en fait. Là il y a des gens là des passants. Voilà, c'est très à la Trix Racer. Vous avancez, vous butez les ennemis. Et voilà, hein, c'est... Mais ça manque d'attaque en fait. Une attaque, c'est le lance-flamme. On tape dessus. Et... Ouais, on est déjà arrivé à la fin du niveau presque. On a bien avancé, hein. On est un peu speed là. Je sais pas si j'ai changé le mode qui fait ça, mais. Un peu chaud là. On esquive. Alors, on les bute. Oh, ça va, je me gère bien, hein, franchement. Oh, putain, ouais, c'est un escargot. C'est chaud là. Là, c'est chaud là. Là, je me fais tartiner là, les amis. Passage là j'aime pas trop parce qu'il y a trop d'ennemis là. Il y a trop d'ennemis alors du coup c'est. Ah ça va être un chaud parce que là il y aura plus d'ennemis là. Il faut les tartiner là. Il trouve pas lui. Assez, quoi. On a 13 minutes de vidéo quand même les amis. Hop. Voilà, ça devient un peu chaud. Oh, on a réussi à s'en sortir quand même. Mission 5, on suis arrivé à là maman. Bonjour. Les amis, je crois pas que je vais survivre dans ce niveau là parce que j'ai un peu eu du mal à un moment. Ouais. Allez, meurs. Voilà, je fais taper un truc de ouf. C'est mon dernier crédit, enfin, j'ai un avant-dernier quoi en plus. Cette vie quoi, c'est un manque de vie quoi.
Même si les niveaux sont courts quand même, bon, ça va encore. Du coup c'est assez rapide, donc c'est tout le monde. Voilà, je n'ai pas fait ce passage là. Je ne connais pas. Il n'y a pas de vie s'il vous plaît. Non ça va, j'ai pas besoin de vie. Mais... il n'aime pas de vie, hein, c'est... oh, pas de vie quoi, c'est... tartiné là. Hop, on y a. Donc c'est pas mal quand même, vous pouvez tirer en vue de première personne. Enfin... voilà, on a survécu de ce passage. Voilà, on découvre un nouveau niveau, niveau 6. Donc voilà, en 15 minutes, j'ai fait quand même 6 niveaux. Niveau pardon. Hop. Voilà. Genre après faut me donner de la vie plutôt. Après ça, c'est les mêmes ennemis, mais les... niveau monstre, je vous ai pas dit, il y en a, ça va, c'est varié, il y en a un qui change de couleur, mais les mêmes monstres qu'on avait au début du jeu. Là, ça devient un peu galère. Et puis, on va commencer à avoir pas mal des ennemis, là. Ça va être carcé. Ouais, on va taper comme une merde. Je sais pas si je vais tenir le coup, hein. Là on arrive juste au niveau 6 déjà. C'est quand même pas mal déjà pour un gameplay. Aïe aïe aïe. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà les amis. Game over. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était Alien Stone, je crois, comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est un jeu vraiment sympa, mais il y a pas mal de défauts, je trouve, personnellement. C'est pas un jeu énorme, mais bon, je me suis bien amusé quand même, c'était quand même sympa. Et puis, je voulais vous le montrer parce que ce jeu-là, il m'intriguait, voilà, une petite curiosité à tester que j'avais pas vraiment testé vraiment sur la compilation. Donc, vous voyez, la compilation, il y a tellement de petits jeux, et puis voilà, quoi. Vous voyez, il y a même d'autres personnages, je sais pas d'où il sort, lui. Je sais pas si on pouvait changer de personnage. Je vais pas faire attention. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous, on fera une autre vidéo sur la Mega Drive Collection, sur un autre jeu. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine. Ciao. Abonnez-vous.